Ouais, non, j'ai pas envie d'être un personnage, j'ai envie de juste une espèce de truc qui n'a pas vraiment fait. On s'est pas enregistré, c'est ça? Ouais. C'est vrai? On l'a refait? Non, tu rigoles? Ouais, ça enregistrait pas. Oh, les pros. Les gens ils réagissent comment à tes concerts de rue? Souvent t'as des réactions hyper violentes. Il y a des moments où j'ai réussi à faire un concert qui partait en manifestation. C'est-à-dire vraiment mais c'est parti en couille. C'est-à-dire qu'après il y a les flics qui sont arrivés et puis c'est parti enfoiré machin nanana nanana. Non non moi c'est ça qui m'intéresse, c'est l'interaction. Noise en anglais, ça veut dire bruit. Comment on joue du bruit? Moi, mon but n'est pas du tout de préparer. À vrai dire, c'est plutôt de m'amuser, de balancer des choses, de voir comment ça va se passer, de voir la réaction avec les gens. J'ai jamais trop aimé les gens avec beaucoup de matos, des trucs très très chers. Ça me saoule. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté de ces petits objets. Certains religieux utilisent des trucs parfois moches pour symboliser quelque chose et t'enlever un mal. Tout ça, moi, j'adore. Et vraiment, je vis comme ça. Hein. Enfin, si tu viens chez moi, c'est ça. Hein. C'est la même chose. Hello. Hello. Y'a quelqu'un? C'est quoi ce bordel? Oh putain! Oh putain, tu m'as fait flipper. Je peux visiter un peu? Bien sûr. Quand je te vois, j'ai l'impression que t'es comme un soufi. Que t'es dans ta grotte. Je suis un peu plus ridicule qu'un soufi. Je sais pas, les fous, moi j'aime beaucoup. La folie, je trouve ça très intéressant. Tu joues toujours masqué. C'est quoi? C'est une coquetterie ou il y a un truc derrière? Je suis très moche. Tu vas dans le fin fond d'une région où vraiment il y a eu personne n'est venu. Le chaman, le je sais pas quoi, le mec un peu important du truc, il va pas apparaître normal. Il va se mettre de la peinture, il va se faire n'importe quoi. C'est comme un théâtre, quoi. Ça plairait d'être le chaman des soirées? J'aime pas trop être le chef. Je suis personnellement très anarchiste. Ça se sent.